question. Ông chúng tôi chúng ta cả một to cái chấm lá cà để tiếp thi sám lá cà là thế này đi ông chúng ta một to từ sám lá cà vừa đi dần than bật chọc cái chuyện phi thả nên đau lên dần dần sồn sồn pi là sồn pi đây là một to vừa đi dần than đời cầm một vị cà phê cái đây lục là sầm phong được bị bực hay nơi được xiên đi nâng cà thôi đi dần than top rồi bảo sám một vị nó mốc đầm nàng đầm đầm rập vào bên này làm chi sản lạc cá căn nhà chia sĩ hoáng là người cả bây giờ thành việc vật tâm biến vật tâm biến việc ký nước bọc cô đệ ở nhà bè có hẳn chưa nhà châu rùm được trong cái tâm lạc cá sản lạc cá ngày này xong của lục lục thiên xâm rạp sản lạc cá đập sự kết đây sản lạc cá bình chọc kết thị xa đình đào này ngày này làm chi các xong qua khuyên thà cục thị kỳ tưởng ốc này đứng cách đây này miền vật tâm biến lợi lên ta lục xây Marie Giro giả hạn mê tử vi ăn trả chết nó một đồng năng đang mình đang gặp bạn về ní để ban cho mình đang mặc thà được lấy nâng mặc việc nơi sạm nạc ca được ní để lại lượng nôn chia miên vật miên được bằng tốc không khuôn thành ground xa xa sạm nạc ca ní để lúc na xong đẹp băng sắt miên vật miên đẹp tối vì bằng tốc sạm nạc ca nơi thay ní thì khất lẽ băng sắt được bao lượng nôn chia ban bạc cô đa cả làm chi rồi hả xong ao con lục tiền mà ao quân chỉ được bốn đi ao nhà bè sạm lại lời sạm nạc xong đó chuẩn chụp chọn nôn chia chỉ một sấn ông nhầm rẻ bàn đặt tu lịch khất xong lẽ bằng sách cho rùm sạm nạc cả đẹp to nông bà tục sạm nạc cả nít bà chân chụp cho nguồn chia cho ngày thì mà phải mùi khai mì thôn nạc nàm bì bọn đọc bẩm phớ đại bàn cọt đại bàn mình chạy tha đại con mềm bánh hà sọc hợp hiếp chứ có ba chứ chúng cách mình ai ảnh quý dù bán mình ai chọn ở rộng bàn dù nâng nằm bây mình là tập hiếp cho rùm sạm nạc cả nít ngay kháng mốc ở mềm sạch tập hiếp luôn xong lẽ bằng sách cho rùm nâng mình vật đầm miệng đẹp to nông bà tục sạm nạc cả nít ngay thì mà phải mùi khai mì thôn nạc nàm bì bọn đọc bẩm phớ บานเคยกำหนดให้เป็นนัดสกปรกยุ่งจับจอดนุ่นเชี่ยเทวรังในครูเป็นประจำก้าปีนัดเพียบาแทนตอนสกปรกยุ่งจับจอดเนื้ออบตโก้จอดไงจีนมาเผยมุ้ยใครมีตัวนายนำไปปอนดับผมเปิลบานก็ถมก้อลพิจารณาเพียบสกปรกรอลูกนุ่นเชี่ยในไงนี่ทำเป็นอาการะชื่อจังแก่มีนารอมจังอูดมันอายังกุยอยู่บ้านหนึ่งบานพระดอลอนุสาท้าสมัยอังจมเรียอนิยัตอ้อยลูกนุ่นเชียจะร่วมตามนานกับจำนาคาสามนาคาปีบรรทุกมวยถัดกรอมซาสามนาคานี่ไอเลอร์มูลธานี่หนึ่งโยงตามบทบัญญัติในประเทศไปถึงมวยปรามในประเทศเตยขนองอวตกองยมเรียอันยัดไอจนจับเจ้านุ่นเชียจะร่วมตามนานกับจำนาคาสามนาคาปีจมง่ายปีบรรทุกคมขลุ่นมวยถัดกรอมซาสามนาคานี่ตามไปเยอะบกสตุสำหรับเยอะไปสามนาคาเป็นมวยไทยนี่ก่อยบกหลักพระสตุจบปอนสตุสำหรับจนจับเจ้านุ่นเชียไอจะร่วมตามนานกับจำนาคาสามนาคาปีจมง่ายนำลงไปในกิจกรรมการสามการรับไงนี่มาเจ็บต่อสิเราจะกลายจนตือกรมมิตรวิการพิกไดโลกคือสมพรทำไมมันต่อเพื่อตรีธนทานบัตรมันจบกัจจุพิษาในดาวระบักลุนขอบคุณ Monsieur le Président บ้านสมอคุณลูกเชียน Bonjour à tous อาจิมเรียบสู่อาลูกลูกใส่จักรม HierJe m'étais arrêté à nos observations en réponse aux mémoires de l'accusation sur les différents sites, objets du procès de deux, et j'en étais au barrage du 1er janvier. Dans leur mémoire, au paragraphe 1151, l'accusation reconnaît du bout des lèvres que la présence de Kyo Sampan n'est pas clairement établie. En revanche, il tente de trouver un lien entre ce barrage et M. Kyo Sampan en évoquant un discours du 15 avril 1977 sans bien expliquer quelle serait la part contributive à quel crime. Et c'est toujours ce que je vous indique depuis hier, ce manque de précision, une démonstration sur les faits qui sont supposément poursuivis. Sur les crimes également,
Je vous renvoie à notre mémoire finale, au paragraphe 1046 à 1074 sur la question du barrage du 1er janvier. Et là, il y a un point qui convient de relever sur toujours la manière dont l'accusation traite le droit, spécifiquement sur le barrage du 1er janvier, au paragraphe 1143. De leur mémoire, les procureurs listent les qualifications retenues en disant les charges sont meurtre, extermination, réduction en esclavage, persécution politique et religieuse et autres actes inhumains. Jusque-là, nous suivons, pas de soucis. La liste est claire et exhaustive. Et alors, on ne comprend pas la suite, parce qu'il y a une suite. Et la suite, c'est que au paragraphe 1162 et 1163, les procureurs qualifient des faits d'arrestation et d'emprisonnement qui ne font pas partie des charges qu'ils ont eux-mêmes listées comme étant poursuivies sur ce site. Donc sur quelle base, sur quel fondement juridique exactement est-ce qu'on vient nous parler à ce moment-là d'arrestation et d'emprisonnement? Ce n'est pas poursuivi, ils l'ont eux-mêmes dit. Pourquoi? J'en reviens à mon observation d'hier, à savoir que ce n'est pas compréhensible que ce soit à la défense de faire un tri, comme nous l'avons fait dans notre mémoire, de se rappeler quelles sont les charges poursuivies à quel endroit. Autre observation, cette fois-ci sur le site de l'aéroport de Kampong Chhnang, et une illustration de des petites phrases, des citations qui servent de l'effet, mais qui concrètement ne sont pas de la preuve. Pour preuve, on vous cite au début du développement dans le mémoire des coprocureurs sur cet aéroport de Kampong Chhnang, une citation de Duyck qui n'est jamais allé sur l'aéroport de Kampong Chhnang. Autre chose, on vous dit que des meurtres auraient été établis sur l'aéroport de Kampong Chhnang. Il me semble que du côté de l'équipe de Nonshia, on a déjà rappelé la faiblesse de la preuve à ce sujet. Et par ailleurs, nous l'avons également évoqué dans notre mémoire. Un autre point intéressant qui intéresse particulièrement notre équipe, et la question des visites supposées de Khieu Sampan sur cet aéroport. Là, je reviens quelques instants dessus parce que c'est intéressant pour moi d'illustrer la différence qu'il y a entre une déclaration écrite et puis ce qui ressort finalement à l'audience. Et là, tout le monde était là à l'audience et on se rend compte qu'il y a un décalage. Premier exemple, le témoignage approximatif de Chan Morn. Les procureurs citent dans leur mémoire le PV d'audition de Chan Morn. En tout cas, le témoignage de Chan Morn. Et pour rappel, dans sa déclaration écrite, son PV d'audition, E3-52-78, ERN en français 00355-865. Chan Morn a une position catégorique et il vous dit « J'ai vu Khieu Sampan et Yang Sari venir visiter le chantier de l'aéroport. » Sauf que lorsqu'il vient témoigner à l'audience, c'est un autre son de cloche. C'est beaucoup plus fou. Et là, je renvoie à ces déclarations à l'audience. PV E1-312.1 13h35 et 31 secondes. Comme je l'ai déjà dit, je me trouvais assez loin. Je n'ai pas bien pu les voir. On m'a dit que de nombreux cadres supérieurs venaient visiter le chantier de l'aéroport pour assister à des vols d'essai. C'est ce que d'autres m'ont dit. C'est ainsi que je l'ai appris. Ensuite,
En ce temps-là, ou à ce moment-là, beaucoup de personnes sont descendues de véhicules et j'ignorais qui elles étaient. Mais la personne qui se tenait près de moi m'a dit qu'ils étaient de hauts dirigeants qui étaient en visite sur le chantier et ce sont ces noms-là que l'on m'a donnés. Fin de citation. Donc là, déjà, on est passé d'une affirmation catégorique. J'ai vu que Sampan et Yangsari venir visiter le chantier de l'aéroport. On s'aperçoit à l'audience, quand il est interrogé, que finalement, il était un peu loin, qu'il ne voyait pas bien, et puis que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui lui aurait dit quels auraient été les noms de ses dirigeants. Et puis enfin, quand on l'interroge plus avant, on se rend compte que ce oui-dire, pas de nom de personne, pas de date précise, pas de source exacte de l'information. Pas de source exacte de l'information. Et sa réponse, et c'était à l'audience E1-3-1 vers 14h16:43 secondes, quand on lui demande quid de ses sources, il répond: ils ont tous disparu et je ne me souviens pas de leur nom. C'était mes collègues de travail, mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de leur nom. Fin de citation. Autre témoin dans la même veine, les procureurs citent Kinvat. Et là encore, quand on lit son PV, E3-5284, ERN en français 00-375-493, voilà ce qu'il dit. J'ai vu que Sampan venir en visite à ce chantier à la fin de 77. Et s'ensuit une description. Ça a l'air précis, ça a l'air circonstancié. Si on se base simplement sur la déclaration écrite, on a l'impression qu'il l'a vu. Pourtant, à l'audience, dès la première question posée sur la question sur le thème à ce témoin, on se rend compte que c'est encore du oui-dire anonyme. Et là, je renvoie à l'audience E1-325.1 vers 15h19. Et voilà ce qu'il dit. J'ai appris que Kyo Sampan et ses collègues, que je ne connaissais pas, aux côtés de dirigeants de la 502 qui les accompagnaient sur le site, est venu sur le site. Malheureusement, je ne me souviens pas de la date de sa visite. Tout ce que je savais, c'est qu'il était venu pour inspecter le site de l'aéroport. Une autre citation. Je ne l'ai pas vu en personne. J'ai simplement appris et je savais qu'il était venu sur le site. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner de détails de la façon dont il était vêtu, etc. Voilà deux exemples des limites de PV d'audition, quand on veut les prendre pour argent comptant et qu'on les met au même niveau comme le fait l'accusation d'une preuve entendue à l'audience, on part d'une certitude absolue. J'ai vu, et puis en fait à l'audience on se rend compte que c'est pas du j'ai vu, c'est du lui-dire. Et pour être complète sur cette question de la cassée, je rappellerai à la Chambre, et ça c'est un point quand même qui est important, que à l'époque du Kampuchea démocratique, l'alias révolutionnaire de Sun Sen, responsable militaire, responsable de l'état-major, c'était Kyo. Et que lorsque nous analysons tous les témoignages que tout le monde est d'accord pour dire que l'aéroport de Kampuchnang était un aéroport militaire, du coup ça fait sens. Alors 40 ans après les faits, des gens qui sont aussi peu sûrs des détails de ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils n'ont pas pu confondre Kyo Sampan avec Kyo et retenir Kyo en pensant que c'était Kyo Sampan puisqu'ils ne le connaissaient pas? En tout cas, c'est un élément qui jette un doute sur la fiabilité de ce témoignage. L'accusation vous dit également, au paragraphe 1164, qu'il y aurait eu des exécutions pour seule preuve au soutien de la réglementation, c'est la déclaration d'une personne. Et puis,
comme ce que je vous l'expliquais hier, on vous demande pour essayer de trouver, prouver des meurtres sur ce site particulier, on vous demande d'aller chercher de la preuve liée à d'autres centres de sécurité qui ne sont pas dans le champ de ce procès-lite, à savoir Baral Chandek, Sralautun, soit des sites qui ne sont pas dans le champ de procès. Ces simples éléments démontrent que la preuve n'est pas suffisante et il faut en tirer les conséquences. Un autre point que je souhaite aborder, la question du traitement des anciens soldats de la République mère. Et là, c'est important de vous renvoyer à tout notre développement dans notre mémoire au paragraphe 2258 à 2318. Et là encore, ça démontre ce thème, la question de la confusion sur les charges dont doit répondre M. Kyosampan. Au paragraphe 305 de leur mémoire, les procureurs, et ça a été d'ailleurs une affirmation qu'on a eue tout au long de ce procès, soutiennent que dans le cadre du procès de deux, nous sommes poursuivis pour une politique contre les anciens de la République mère dans tout le Kampuchea démocratique. Or, là, c'est vrai qu'il faut se replonger à nouveau dans l'ordonnance de culture, au paragraphe 206. On se rend compte qu'en réalité, le seul moment où on parle vraiment de politique contre les anciens de la République mère, c'est au sujet du déplacement de la population 1. Et sinon, pour le reste de l'examen de la question des éventuels crimes contre les anciens de la République mère, eh bien, c'est simplement site par site. C'est-à-dire S21, Kreng Tachan, coopérative de Tramcop et le barrage du premier janvier. C'est pas sur l'ensemble du territoire, c'est ça. Quand on regarde l'ordonnance de clôture, c'est ça. Qui rend, pour le procès de deux, c'est ça. Le seul moment où on parle de politique générale, c'est pour DP1. Déplacement de population. Donc ça, c'était les observations que j'avais à faire sur quelques éléments de réponse aux mémoires de l'accusation sur les sites spécifiques poursuivis. Maintenant, j'en viens à la question des crimes contre les Vietnamiens et ensuite contre les Cham, en commençant par les crimes contre les Vietnamiens. J'en ai parlé un peu hier en évoquant notamment la question du conflit armé. Et je vous ai parlé aussi du paragraphe 206 de l'ordonnance de clôture. Et j'insiste à nouveau en vous disant que l'accusation se soucie peu de la saisine géographique telle qu'elle apparaît à ce paragraphe 206 de l'ordonnance de clôture. Et c'est un travers que nous avons eu tout au long, quand je dis nous, c'est la chambre et le déroulement des audiences. Tout au long de ce procès, c'est qu'on a tellement voulu parler, quand je dis « on », il faut que j'arrête de dire « on », la chambre, l'accusation, ont tellement voulu parler de la politique en général en disant « oui, ce sont des faits qui ne sont pas poursuivis spécifiquement, mais ça permet de parler de la politique en général ». Mais le problème de parler de la politique en général, c'est que ça ne doit pas faire oublier que on est saisi, vous êtes saisi de faits précis et que ce sont ces faits précis qui doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable pour que vous puissiez rentrer en voie de condamnation. Et le problème sur la question des Vietnamiens, c'est que c'est très clair. La zone géographique pour laquelle les accusés sont poursuivis en ce qui concerne le génocide des Vietnamiens, c'est Tre Vinh et Svay Rieng. Et c'est là que l'accusation doit démontrer qu'il y a eu un génocide et qu'il y avait une intention génocidaire. Et je vous dis ça parce que c'était quand même assez symptomatique de voir que pendant les deux jours de réquisition de l'accusation, on a entendu
réentendu par le biais de vidéoclips ou de citations de nombreux témoins évoquer le traitement vietnamien, sauf Asverien et Preveng. Et quand je parle d'une limite géographique, qu'on ne me dise pas que c'est que l'équipe de Pyeongchang, que Sampan qui a cet entendement-là, parce qu'il y a des écritures au dossier qui démontrent que l'accusation... Il y a des écritures au dossier qui démontrent que l'accusation savait pertinemment que ce génocide sur les Vietnamiens était uniquement limité à Preveng et Tverien. Et pour preuve, je vais vous citer in extenso un paragraphe d'une requête du procureur international en date du 15 septembre 2015, document E381 au paragraphe 9. C'est une requête où il demandait des témoins supplémentaires. Et voilà ce qu'ils disent, les coprocureurs. Pas la défense de Khieu Samphan qui aurait une mauvaise interprétation. Les coprocureurs. Voilà ce qui est dit à ce paragraphe 9. Et je vais essayer d'aller lentement pour que tout le monde comprenne bien. Les co-juges d'instruction ont considéré qu'ils avaient été saisis des faits concernant le traitement des Vietnamiens dans les provinces de Preveng et Svayreng dans la zone Est et durant les incursions au Vietnam. Quand la Chambre a disjoint les poursuites dans le dossier numéro 2, elle a exclu du champ du deuxième procès les crimes commis durant les incursions au Vietnam. Pour cette raison, les accusations de génocide dont les Vietnamiens ont été victimes ne concernent que les crimes commis dans les provinces de Preveng et Svayreng. Les chefs de crimes contre l'humanité mentionnés par les co-juges d'instruction qui portent précisément sur le traitement des Vietnamiens se concentrent également principalement dans ces deux régions. Je recite la partie qui m'intéresse pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Pour cette raison, les accusations de génocide dont les Vietnamiens ont été victimes ne concernent que les crimes commis dans les provinces de Preveng et Svayreng. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'accusation. Et récemment, 15 septembre 2015, alors qu'on m'explique pourquoi, quand on est au moment des plaidoiries finales, on nous parle de tout, sauf de Preveng et Svayreng. Moi, j'ai une explication, c'est que la preuve n'est pas suffisante sur Preveng et Svayreng. Nous l'avons développé dans notre mémoire finale. L'équipe de Nunchia aussi a évoqué un certain nombre d'éléments, parce que dans les provinces de Preveng et Svayreng, on a que de la preuve essentiellement par ouï-dire, on parle de disparition, et il n'y a pas de preuve de génocide par meurtre, et nous vous l'avons développé. Donc, le reste, de nous dire, on va utiliser de la preuve hors champ pour vous prouver ce qu'on n'arrive pas à prouver avec les éléments qu'on a sur les localités dont on est saisi, ce n'est pas possible. Alors je vous renvoie bien sûr aux détails de nos écritures, mais c'est important de le relever. Parce que je ne veux pas qu'on pense que nous faisons des observations en l'air. Nous avons pris le soin vraiment de faire une étude approfondie, de recouper les informations à nouveau et d'essayer de présenter notre argumentation clairement pour que la Chambre sache sur quoi on se base exactement pour faire nos affirmations et pour faire nos conclusions dans notre mémoire finale. Il y a des choses comme ça, c'est des éléments essentiels. Je vous dis, l'accusation était d'accord. Et je le dis aussi parce que les parties civiles, elles ont été beaucoup plus
Et ça, c'est de façon générale dans leurs écritures, beaucoup plus proche de ce que c'est la procédure, beaucoup plus honnête intellectuellement en ce qui concerne la procédure que l'accusation. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu cela de l'autre côté de la barre, du côté de l'accusation. Parce qu'après tout, si on est à ce niveau-là, de justice internationale, c'est qu'aussi on est censé parler de droit correctement et d'appliquer des choses que l'on a déjà dites auparavant. Et là, la question de la délocalité en cause et pour lesquelles le crime de génocide est poursuivi dans le cadre de ce procès de deux, c'est très clair. Un autre élément, nous l'avons également dit, c'est la vraie difficulté de ce procès, à savoir que selon les parties, certains pensent qu'on est poursuivi sur telle chose, d'autres telle autre. Là encore, sur la question des Vietnamiens, l'accusation cite une liste de charges qui ne correspond pas à celle que nous avons listé et nous avons expliqué pourquoi. Notamment, évidemment, il y a la question de la déportation que j'ai évoquée hier. C'est un vrai problème de droit et j'espère que vous allez vous pencher dessus avec attention. Parmi les crimes qui sont listés par l'accusation sur la question des Vietnamiens, il y a notamment la question de la persécution raciale au motif raciaux à S21. Je tiens à le rappeler, sur S21, il n'y a pas grand nombre de crimes que nous contestons dans notre mémoire. On n'a qu'un, c'est la persécution au motif raciaux. Et pourquoi, là je vous renvoie en détail à notre argumentation au paragraphe 1214 à 1219 de notre mémoire finale, où nous vous expliquons que le crime de persécution pour motif raciaux à S21 ne tient pas, parce que dans les faits, nous avons développé, il n'y a aucune discrimination de fait que l'on peut déterminer entre des détenus khmers et des détenus vietnamiens. Tous étaient considérés de la même façon. Je rappelle également que dans la mémoire des procureurs sont détaillés les points qui constituent, selon eux, l'existence d'une politique génocidaire contre les Vietnamiens. Ça se regroupe à peu près en quatre points. Premièrement, les Vietnamiens étaient un groupe ethnique distinct, paragraphe 1894-1895 de leur mémoire. Il y avait une politique de destruction par la déportation et les meurtres qui ont eu lieu à ce moment-là, paragraphe 896-903. La destruction des Vietnamiens du fait de leur ethnie, et non pas parce qu'ils étaient des cibles militaires, est développée, paragraphe 904 et 905. Et enfin, ils évoquent la preuve de la haine du PCK envers les Vietnamiens en tant que groupe ethnique. Paragraphe 906-906. Ensuite, ils vont s'intéresser à la mise en œuvre de cette politique. Sur un certain nombre de points, au fil de mes plaidoiries d'hier, vous avez entendu les différentes contestations que nous avons eues sur l'interprétation des discours sur une politique qui sera à l'égard des Vietnamiens en tant qu'ethnie, alors qu'on est très clairement dans des discours dans le cadre d'un conflit armé. Je viens de vous rappeler les éléments de droit par rapport au génocide par meurtre et à sa localisation précise dans l'ordonnance de couture. Je vous ai également rappelé et renvoyé à notre mémoire finale sur les détails factuels des contradictions et des éléments insuffisants qu'il existe
au niveau de la preuve de génocide par meurtre à l'égard de Vietnamiens, y compris d'ailleurs de persécutions. Je fais une brève parenthèse, puisque la question du transfert comme un élément important pour attester l'intention de détruire le groupe a été mentionné par M. le procureur Kumian lorsqu'il plaidait la question du génocide en disant, et l'a rappelé quand même, que nous sommes poursuivis. Monsieur Kusampa est poursuivi devant cette chambre pour uniquement par pour le génocide par meurtre. Donc, il utilisait la question de transfert, de déplacement de population, de déportation comme un élément qui pouvait attester de...